Est-ce qu'il plot là relié avec un film ou c'est un plot complètement nouveau? Alors aujourd'hui, je vais vous répondre à une question, c'est que je me demande moi à propos des mots. Alors, la première question, je me demande moi, on what date was the first shooting? Donc, the first shooting, je ne me rappelle pas la date, mais c'est un samedi, nous shoot. Et nous commençons par le climax. Ça veut dire que nous commençons le dernier bout de film. Après, nous commençons le reboot. Parce qu'il y a une raison qui fait nous faire ça, c'est que ce film là. Mais quand exactement le date. Le 27 janvier, nous sommes le premier jour au tournage. Est-ce qu'il plot là relié avec un film ou c'est un plot complètement nouveau? Le film là est complètement nouveau. C'est pas un plot qui est relié à aucun film, il n'est pas relié à aucun univers. Le capable de sentir comme ça qui nous servit même artiste qui nous servit auparavant à des vidéos qui nous fait avant Boyfriend vs Best Friend. Mais il n'est pas relié du tout. Boyfriend Best Friend, c'est une affaire récente. Démon, il y a un film qui m'a écrit en 2022 et c'est maintenant qu'il nous vient en vie. Le film complètement différent. Capable de faire un petit bout qui est capable de trouver similaire, mais à part ça, c'est un film complètement différent, les histoires complètement différentes, le message complètement différent et tout nouveau. Donc, Démon en lui-même, c'est un tout nouveau film qui n'est pas relié à aucune affaire. Donc, il y a de nous faire un court film comme ça, donc nous pouvons essayer de nous mettre notre réponse après qu'ils ont fini le film là et que nous pouvons être si nous capables de faire un court film. Mais c'est un attempt qui m'a fait, la première fois que je me fais un film comme ça, et c'est un attempt qui m'a fait pour essayer qu'il soit nouveau et m'espérer qu'il soit content. Release date là pour Impatiently Waiting. Donc, j'ai déjà vu un message, je vais une date, mais le film maintenant je connais, qui est sorti le 14 février. Ouais, déjà un peu plus slow là, bro. Donc, c'est un film du genre thriller et il y a beaucoup de suspense, il y a action, il y a émotion. Et non, violence, et non, un peu de tout quoi. Et là, where's the gun from? Donc, the guns is from a little shop, it's called Makuna. I bought this gun at something like 50 rupees, yeah, and then we modified it with the VFX, etc., by the master Akash to make it real. Yes. Combien il coûtait pour faire un film là? Donc, le budget film, pour être franc avec vous, je ne vraiment pas connais. Je n'ai pas aucun note. Je dis si vous avez besoin de tirer. Et aussi, tu as un support l'équipe qui va dans cette là, tu peux faire un support que tu es capable. Parce qu'il n'y a aucun sponsor et tout. Donc, ce film là, c'est pour nous-mêmes. Production, c'est AB Production qui peut faire. Donc, nous n'avons pas vraiment care about. The money. Normalement, il n'y a pas une somme excess qui nous va pouvoir afford, mais nous faisons nos baisses. Nous n'avons pas encore le chiffre, mais le but, c'est faire ce film-là avec l'amour, passion, et nous n'avons pas trop care about the money. Et c'est faisable, le projet avant tout. Mais nous n'avons pas encore le chiffre, mais nous espérons que la prochaine fois, nous serons capables d'avoir un chiffre pour qu'on dise exactement. Combien d'écouter. Donc, je vous donne un rendez-vous le 14 février, Saint-Valentin. Démo pour online et moi j'espère que vous êtes get-li et vous êtes enjoy et vous êtes de nous pour vous trouver. Allez, nous jouons. Pouce.